Salutations, ici Falcor, et me voici de retour sur Lego Star Wars, la saga Skywalker. Je suis sur le point de démarrer l'épisode 8, les derniers Jedi. Mais attention là, on voit déjà que ça va chier. C'est parti. Module de sauvetage, oui évidemment, voilà. Bon, encore une fois, hein, vous connaissez la chanson. Optimiste, c'est pas la plus dingue des missions qu'on ait eu à accomplir. Ah, des bips joyeux. Alors très franchement, mais oui, qu'est-ce que je t'ai dit ? Je veux des bips optimistes. J'ai très peu de souvenirs de ce film-là. Je partage l'opinion du droïde. Merci pour vos encouragements. Je me rappelle bien de la fin, quoi. Contacter le premier ordre. Wouhou ! Bien, nous sommes à leur portée. Je démarre le niveau. D'accord. Allez. Voilà, premier niveau dès le début de l'épisode. Allez, c'est parti. Hein ? Communiqué urgent, monsieur. D'un certain Podamron de la flotte de la République. Oh, quelle ressemblance! Comment va votre mère, monsieur? Anéantissez-les! Mais lui, fais les gaz! Ils foncent sur le cuirassé. Hein? Bien, je vais m'occuper de leur canon. Dali, avancez votre approche! Bien reçu! Eh ben, on peut dire qu'ils se sont lâchés sur le canon, pas vrai? Bah, dis donc! Ah! Non, 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 non! Ma mère ne ressemble en rien à ceux des Sainte-Périne, vous avez décidé? Quoi? Pas assez blafarde pour être maman Hux? Pourtant, je l'ai dessiné sur une feuille blanche! Je suis véritable Jedi! Voilà la cavalerie! Oula! Comment ça, gling gling là? Oh, 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 attention, hein! Non, 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 non. Je ne veux pas de 1 sur 10, machin, là. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Arrêtez. Je ne veux pas faire ça. Vraiment que je me focus sur les... sur les points d'exclamation. C'est tout. Je ne dois pas faire autre chose. Presque tout le monde a rejoint la flotte. Nous n'attendons que les quelques derniers vaisseaux. Continuez. Voilà. Wow, 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 wow. Là. Je peux vraiment pas tirer au pif. Hein. J'essaye de tout garder pour les guides comme d'habitude. Oh là là. Arrêtez! L'évacuation est presque terminée. Tenez un peu plus longtemps. On fait ce qu'on peut, hein. Lui. Il doit en rester une tourelle là. Là, elle est là. Attends, qu'est-ce que j'ai foutu? C'est bizarre. Il y en a une que j'ai. Ah bah oui, j'en ai loupé une là. Mais non, là. Attends. Là. Voilà. Bon, maintenant les petits vaisseaux.
Voilà. Je vais tous vous bourriner vos mères. C'est bon, mission accomplie. Évacuation terminée. Vous avez réussi, Po. Oh. Revenez ici avec votre équipe que nous puissions quitter les lieux. Non, général, on peut le faire. On a une chance de détruire un cuirassé. J'ai dit décrocher maintenant. C'est un ordre. La connexion est mauvaise. Je dois y aller. Escadrille, préparez les bombes. Bombardier, restez en formation serrée. Les chasseurs, en couverture. C'est pas tous les jours qu'on a l'occasion de détruire un cuirassé. Alors on se rate pas. Ok. Oh là, oh là. Qu'est-ce que c'est que cette vue? Arrêtez, arrêtez. Je n'arrive pas à viser. C'est l'enfer cette vue là. Oh là là. Ça suffit. Mais... Oui, oui. Putain. Arrêtez avec ça, là, je ne veux pas. Oui. C'est bon, j'en ai 10. C'est pas fini. Qu'est-ce que je dois faire là encore? Je dois péter ce truc là, je parie. Défendez les bombardiers. Ils ciblent la flotte. On doit protéger le dernier bombardier. C'est notre seule chance de détruire ce cuirassé. Yes. Alors attends. On n'en finira jamais avec eux. À moins qu'on ferme le hangar. Attends. Bébé 8, tu penses à ce que je pense? Parce que là j'ai une très mauvaise vue. Exactement. On balancer des torpilles là-dessus. Alors est-ce que... Voilà. Oh la vache, la gerbe. Oh là là. Ouais, je crois... Ouais, quand je fais un clic sur R3, ça me redresse automatiquement. Enfin, pas automatiquement, puisque j'appuie dessus, mais ça me redresse. Quoi. Scrooge. Tenons au bout d'une corde. L'invincible Kylo Ren enlève ce masque ridicule. Tu n'es qu'un enfant derrière un masque. Préparez mon vaisseau. Ah. Bien joué, l'ami. Finn qui perd les os, quoi? Finn! Finn, mon pote! Ça fait plaisir de te voir! Qu'est-ce que... On va aller trouver quoi t'habiller. Viens. Dameron le désobéissant. Bon, je profite toujours des pièces x8. H du cockpit, je vise bien, non? Retour à l'expéditeur. Ok. Mini-kit, j'ai lutté. J'ai lutté dur pour ne pas en ramasser un seul. Où est Ray? Une chose à la fois, l'ami. Allons d'abord trouver de quoi t'habiller. On va te trouver une veste et un pantalon. Ouais. On devrait pouvoir trouver ça par ici. Il doit bien y avoir quelque chose. Clic.
Allez, viens. Allons te chercher des vêtements qui ne fuient pas. Continuez l'histoire. Putain, mais je pensais... Il n'y a plus rien ici. Qui a tout pris? C'est fou, hein. Les gens ici ont la manie de se servir et de ne jamais remettre en place. Si vous cherchez un peu dans le vaisseau, je suis sûr que vous trouverez quelque chose qui traîne. Oula. Il est écrit ici que la dernière veste a été récupérée par un certain P. Dameron. Ce nom ne me dit rien. La veste devrait être dans cette armoire là-bas. Elle est pas là? Ah, là. Ok, super, ça devrait aller. Bon, maintenant retournons à la cabine, que tu puisses te changer tranquillement. Ah! Non, 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 non. Non, non, non. Je continue l'histoire. Bien, je suis habillé. Où on va maintenant? Il est habillé. Okay. On doit se rendre sur le pont pour un débriefing. On t'expliquera là-bas tout ce que t'as raté. Hein? C'est le vaisseau de Snoke. Ils ont suivi notre trace en vitesse lumière. C'est impossible. Suivez mes ordres. Commande maintenant. La vice-amiral Holdo est la suivante dans la chaîne de commandement. Merci, commandant. C'est quoi notre plan? Restez à vos postes et suivez mes ordres. Qu'est-ce que vous faites là? Rien, juste quelques vérifications. Des vérifications sur des modules de sauvetage? Cette flotte est condamnée. Je dois prévenir mon amie Ray. Si elle revient, elle sera condamnée, elle aussi. Je vais vous dénoncer pour désertion. Je n'essayais pas de m'échapper. Je dois retrouver mon amie et l'avertir que ce vaisseau est condamné. On peut passer en vitesse lumière. Ils pourront nous suivre en vitesse lumière. Ils pourront nous suivre en vitesse lumière? Oui. Et on est presque à court de carburant. Du traçage dynamique. Dans l'hyperespace, c'est une nouveauté. Mais le principe doit être le même. Donc seul leur vaisseau seul de commandement, leur vaisseau de commandement doit, en être équipé. On doit aller parler à Po. Même si on réussissait à s'introduire dans le destroyer stellaire pour le désactiver, qui saura où se trouve la salle des disjoncteurs? Le type qui la nettoyait. Si je peux faire en sorte qu'on s'y introduise... Je pourrais désactiver leur traceur. Mais pourquoi verrouiller une porte avec des cibles? C'est le seul moyen de s'assurer que tout le monde s'enchaîne avec son traceur. Bah dis donc, t'en fais une tête. Dis-moi ce qui se passe. Le premier ordre ne suit notre trace que depuis l'un des destroyers, le principal. On doit aller le faire exploser? J'aime ta façon de penser, mais non. On monte à bord, on désactive le traceur. Notre flotte s'échappera avant qu'il ne réalise ce qui se passe. Mais comment faire pour vous introduire tous les deux dans le cuirassé de Snoke? Trouvez le maître du décryptage. Vous le trouverez au casino de Canto Bight. C'est celui qui porte une fleur de plomb rouge à la chaudière. Cette flotte n'a plus que 18 heures de carburant. On doit faire vite. Je serai là pour nous faire passer en vitesse lumière. Canto Bight. Très bien. Sur Cantonica. Bien. Tu sais où ça se trouve? Alors... Allons chercher un module dans le hangar. Tu vas pas m'électrocuter cette fois, hein? C'est encore trop tôt pour en rire. C'est bizarre, mais très bien. Cantonica. Canto Bight. C'est parti. J'essaye de me rappeler autant que possible de tout ce que je bois. Ouais, le truc du casino, je me rappelle, ouais, mais après il me semble qu'ils se font capturer là les deux zozos. Ça y est, j'ai déjà oublié son nom à la madame là. Et puis Finn.
sûr qu'on peut se garer ici? Aucune importance. On peut se garer où on veut. Le maître du décryptage est celui qui porte une fleur de flamme rouge. Ça doit être le genre de type qui fréquente des endroits chics comme celui là-haut. Ah, là. C'est chouette ici. C'est lumineux. Très joli. Ils ont bien bossé les mecs quand même. Tiens, à mon avis, ils font un planeur. Ah bah tiens, qu'est-ce que je disais? Ah. Là, ils font un Jedi. Bien, fleur de plomb rouge. Où es-tu? Allons demander autour de nous. Peut-être que quelqu'un l'a vu. Cet endroit est tellement cool. Il n'y a rien de semblable sur ma planète natale. Bah ça, c'est de l'info, merci. J'ai essayé de persuader le garde de me laisser entrer dans la fête privée du craqueur de code. Mais je ne comprenais pas un mot de ce qu'il disait. Un Twi'lek, je crois. Un grand type avec des tentacules. Ok. Bibou bibou bip, très bien. Ah oui, bah alors attends. Vas-y, bâtard. Ouais, je suis presque sûr que c'était pas comme ça qu'il fallait faire, mais ça a marché. Bon. Parce qu'il y avait un truc de piano là, mais j'ai pas du tout cherché de piano. Une fleur de plomb rouge. Le maître du décryptage. Tenez, voilà les contrevenants. Vous deux, je vous arrête pour violation de la loi de stationnement 27. Qu'est-ce qu'on va faire sans décrypteur pour nous décrypter l'accès au destroyer stellaire de Snoke? Je sais pas, à moins que t'aies un voleur dans ta poche. Je peux le faire. Quoi? Moi et les codes du premier ordre. C'est une longue histoire. Qui vient de... Et n'importe quoi. Attention, à tous les prisonniers demandant à quelle heure les cellules doivent être libérées. Nous souhaiterions vous rappeler que vous êtes dans une prison pour un hôtel, merci. Là-bas. Si on arrive à ouvrir cette bouche d'égout, on pourra s'échapper par là. Le problème, c'est qu'on n'a pas nos grappins. Il va falloir qu'on aille les récupérer dans la salle des gardes. Ah. Là, en théorie, j'ai fait une connerie, hein. L'alarme. Si on l'active, les gardes viendront voir ce qui se passe. Pas de doute, ça les fera sortir de leur salle. Ok, et alors il veut me manquer. Tu me laisseras pas sortir. Il doit bien y avoir quelque chose ici pour maintenir l'interrupteur abaissé. Mais oui, est-ce qu'il faut. Une idée? Allez, déclenche l'alarme, ma petite dame. Oh ben, fini la séance de trampoline. Ça a intérêt à être la plus grave urgence que cette ville ait jamais connue. Ok, maintenant j'imagine qu'il faut lui casser la gueule. Maintenant, allons à la salle des gardes. Bah ouais. Attends, on peut pas le... Ouais, un costume.
pas si terrible que ça. Les Trandoshan ont leurs membres qui repoussent de toute façon. Donc où est-ce que... Là, il y a une petite cagoule. Le gonk. Parce que je vois que j'ai un intérêt à le mettre ici. Parfait. C'est qui le taulier ? C'est bonhomme en taule. Hé, une statue d'un des gardes. Ça pourrait être utile. Ah ouais. Tu veux pas te casser, connard ? Ah. Bah à tous les coups, j'étais censé pouvoir faire comme ça si je voulais. Ça doit être d'ailleurs un défi. Voilà. Je nous enferme. Super. On dirait que nos affaires sont gardées derrière ce champ de force. Il suffit de désactiver ce générateur, non ? Voilà. Bon, par contre, j'ai bloqué mon pote. Dis donc, espèce de tocard, tu voudrais pas bouger ton cul ? Décapité. Alors, comment on fait ? Récupérer son équipement, champ de force, machin, très bien. Ah, c'est un trampoline, ça. Voilà. On pourrait pas juste le détruire ? Qu'importe, tant qu'on récupère nos affaires. Bah, juste le détruire, bah, ça avait pas l'air de marcher, hein. C'est ce que j'ai voulu faire, je te rappelle. C'est quoi ça encore ? On va faire un droïde de protocole, donc c'est pas la peine de regarder. Bon, ça a carrément marché. Même si pour trop. Regarde ! Oh là là, c'est le bordel ! Donc là, l'idée c'est qu'on fasse 20 fois le tour, c'est ça ? Oula ! Et une révolte de prisonniers. Pile ce qu'il nous fallait. Voilà ce qu'il nous fallait. Regarde, un grappin. On a assez passé de temps ici, fiche en camp. Ha ! Ces policiers vont arriver d'une minute à l'autre. Et maintenant ? Nous sommes de la résistance. Ils ont dû passer par là. Maître Skywalker. Plus 4 ans. Évasion de prison. Bah de toute façon, c'était le but de la mission, non, de s'évader de la prison. Alors, c'est peut-être parce que je suis allé vite. Ah, ça va être de la prison en moins de tel temps. Voilà, je suis allé vite, donc je suis récompensé, je suppose. Je verrai bien un truc comme ça. Maître Skywalker ! Je peux couper comme un gros dégât ? Je ne veux pas parler avec toi. Eh mais il est méchant ! J'appartiens à la résistance. Votre sœur Leia m'envoie, on a besoin de votre aide. Vous m'entendez ? S'il vous plaît. Je suis un paparazzi. Je vais pas en rester là. C'est pour Paris Match. On va devoir trouver un moyen de rentrer. Laissez-moi tranquille. Tu... Putain.
arrêtez de me suivre. Écoutez, la résistance m'a envoyé. Quoi que tu aies à me dire, ça ne m'intéresse pas. Mais Maître Skywalker... Tu es toujours aussi agaçante? Je ne sais pas. Millennium Condor. La super mission qui consiste à stalker le pauvre Luke. Pourquoi ne pas écouter ce que j'ai à vous dire? Écoute, tu m'as l'air d'une fille bien, mais ça ne m'intéresse pas. Hop, hop. Maître Skywalker, c'est à propos du premier ordre. Je sais que vous m'entendez. On va aller loin comme ça, là, dis donc. Attends. Elle est grande, cette île, ou pas? Ouais, quand même, un petit peu, hein. Il va me faire faire le tour combien de fois, comme ça? C'est important, je vous en prie. Écoute, mon enfant, quel est ton nom? Ray. D'où viens-tu, Ray? De nulle part. Personne ne vient de nulle part. De Jakku. Effectivement, tu viens de nulle part. Peut-être devrais-tu repartir là-bas. Mais c'est pas gentil. Bah c'est... Waouh, c'est passionnant, dis donc. Écoute, si tu tiens tant à me suivre, pourquoi ne pas te rendre utile? J'ai perdu ma bouteille de lait. Retrouve-la et ramène-la à moi. Bouteille de lait. Reviens. Re... Ah. Ouais, j'ai été feinté. Non, faut pas que je mette un taquet. Non mais oh. Allez, je te ramène ton lait. Salut. Merci, mon enfant, mais ne crois pas que je te suis redevable. Continue l'histoire, oui. On peut continuer l'histoire. Je connais cet endroit. Les textes Jedi originels. Pourquoi es-tu ici? Quelque chose en moi a toujours été ici. J'ai besoin que quelqu'un me montre ma place dans tout ça. Non. Je t'apprendrai la voix des Jedi et pourquoi il est temps d'en finir. Et ouais, il n'y a plus qu'à recevoir l'entraînement de Luke Skywalker, le seul et l'unique. Mais ce sera pour une prochaine vidéo. Merci à vous d'avoir regardé ce Let's Play, c'était Falcor, des bisous.